27 septembre a été annoncée lors d'une conférence de presse la fin de la grève des écoles chrétiennes débutée le 1er septembre dernier. Une messe d'action de grâce a été célébrée samedi 26 septembre pour le 60e anniversaire des communautés catholiques de langue hébraïque. La première traduction de la Bible en latin à partir des textes originaux a été faite par Saint Jérôme, qui, docteur en interprétation de l'Écriture sainte, a consacré sa vie à la rendre accessible à tous. Un pèlerinage en Terre sainte venu de Biélorussie avec une étape spéciale dans le lieu saint d'En Karim. La communauté franciscaine, des religieux et des pèlerins ont célébré à Emmaüs El Koubeibé les disciples d'Emmaüs Saint Siméon et Saint Cléophas, à qui Jésus est apparu après sa résurrection. Le 26 septembre, un incendie a détruit l'ancienne aile du couvent maronite de Saint-Charbel, à Bethléem. Des sources policières affirment qu'il s'agit d'un incendie criminel. Les élèves des écoles chrétiennes sont enfin de retour sur les bancs de l'école après l'annonce de la fin de la grève. Une satisfaction vu les résultats atteints pour lesquels tous s'étaient impliqués. Il est bon de retourner à l'école après cette longue période, près d'un mois. Tout le monde est excité de retourner à l'école. C'est un sentiment agréable d'être enfin de retour à l'école. À la maison, je suivais ma routine quotidienne, mais maintenant c'est mieux. Rester à la maison n'a pas été réconfortant. Nous étions toujours dans un état de confusion et de désordre. Nous ne savions pas quand nous serions de retour à l'école. Mais le comité a joué un grand rôle, parce qu'il a pu contribuer au développement de l'école et de son budget et obtenir le respect de nos droits. Il est bon d'être de retour à l'école parce que ce sera la dernière année pour nous et que nos camarades de classe nous ont beaucoup manqué. En effet, s'est tenue une conférence de presse le dimanche 27 septembre, au cours de laquelle le secrétariat général des écoles chrétiennes a annoncé la fin de la grève qui avait débuté au début de l'année scolaire. Son Excellence Monseigneur Jacinto Bourous Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Israël, a souligné à l'occasion l'importance de l'union de l'ensemble de toutes les parties en soutien aux écoles chrétiennes, laquelle a permis d'obtenir ce résultat important. Félicitations, toutes mes félicitations. Permettez-moi de vous inviter à un applaudissement général de charité, de gratitude et de reconnaissance pour les écoles, et de vous dire que le résultat est un accomplissement pour toutes les écoles, les étudiants et leurs parents, et pour toute la société. Félicitations, c'est un accomplissement historique et je tiens à remercier tout le monde. Le père Abdel Massir, directeur général du bureau des écoles catholiques en Israël, a ensuite lu une déclaration dans laquelle ont été expliqués les termes de l'accord, qui, entre autres points, prévoit le paiement de 50 millions de shekels en mars 2016 pour l'année scolaire en cours 2015-2016, ainsi que la mise en place d'un comité spécial pour évaluer le changement de statut juridique des écoles, qui seront désormais considérées comme reconnues, mais non publiques. Je crois que ce que nous avons obtenu est vraiment très bien. Ce fut une étape difficile, mais très belle, puisque nous avons pu obtenir une belle somme qui va nous aider à payer les dettes et à réduire les frais de scolarité que les parents doivent payer. Les membres du comité du secrétariat général ont fourni un immense effort et nous avons mis toute notre confiance en eux. Nous savons que si nous avions pu obtenir davantage, nous l'aurions fait. Pour l'instant, voici ce que nous avons pu obtenir, nous en sommes très reconnaissants et nous espérons obtenir plus à l'avenir. De Jérusalem, sur la route menant à Tel Aviv, se trouve une petite oasis de paix, entourée de fleurs, de pins et de palmiers. Le monastère de Notre-Dame Arche d'Alliance s'est rempli ce samedi 26 septembre de couleurs, de joie et d'allégresse. Tous étaient réunis pour fêter les 60 ans de la communauté catholique d'expression hébraïque.
Selon l'Ancien Testament est passée l'Arche d'Alliance, plus de 600 personnes des différentes communautés ou Kehilot en hébreu, dispersées à travers le pays, se sont réunies pour assister à la messe présidée par le nonce apostolique, aux côtés de l'évêque de Nazareth, son Excellence Monseigneur Jacinto Marcuzzo, de l'évêque émérite, son Excellence Monseigneur Kamal Batiche, du père David Nahaus, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem pour les catholiques de langue hébraïque, du custode de Terre Sainte et de nombreux autres prêtres. Eh bien, c'est un moment important, également dans mon histoire personnelle. J'ai travaillé 10 ans dans ce milieu, je suis parti il y a longtemps, et voir comment avec toutes ces années, la communauté hébraïque a grandi, non seulement avec ses membres, mais aussi en maturité, en communion avec l'ensemble de l'Église, c'est une grande satisfaction et une grande consolation. Dans son homélie, le nonce a souligné les défis auxquels le vicariat est confronté dans une mission qu'il a décrite comme belle mais exigeante. Il a souligné notamment l'importance de vivre au cœur de l'Église et de la société, tout en étant des instruments d'amour et de paix. C'est une belle journée de célébration, et ce n'est pas seulement la fête parce que nous sommes ensemble, parce que nous célébrons quelque chose ensemble. Je pense que nous célébrons le fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous témoins que les paroles du Seigneur sont en vérité. De comme si avait la parole du Seigneur. Ci ha detto Gesù che la sua parola, la parola di Dio, è come una piccola semente che viene gettata. Jésus nous a dit que sa parole, la parole de Dieu, est comme une petite graine jetée dans un sol fertile. Et je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que cette communauté d'expression hébraïque est justement cette graine qui a été jetée il y a 60 ans et qui a grandi. Elle a grandi et elle produit déjà des branches solides sur lesquelles beaucoup de gens peuvent venir et trouver le repos de l'esprit, le repos de l'âme, c'est-à-dire la joie de rencontrer Dieu. Une étape importante est l'occasion d'adresser des vœux sincères et chaleureux, une journée inoubliable. Je pense que c'est une réalité qui a un bel avenir devant elle. Et nous adressons nos meilleurs vœux à tous ceux qui y travaillent et qui s'investissent pour que cette créature puisse marcher sur des jambes robustes. La route est longue. Et ce chemin nécessite toujours plus de bonne volonté. Una lunga strada, e strada facendo raccolga sempre più persone. Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus lu et le plus traduit dans le monde, et peut être trouvé dans de nombreuses langues. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Nella stava a vida, e a vida era a luz dos homens. The Word became flesh, He lived among us. Mais pour la rendre accessible à toutes les langues, la route fut longue. C'est dans ce processus que la figure de Saint Jérôme fut importante. Docteur en interprétation de l'Écriture sainte, philosophe, théologien et historien, il a réalisé la première traduction des textes originaux de l'hébreu et du grec au latin, la langue parlée par le peuple à cette époque. C'est pour cette raison que sa traduction fut appelée la Vulgate, c'est-à-dire la populaire. Et lui chiamava questa operazione. Saint Jérôme a qualifié son travail de retour à la vérité hébraïque, c'est-à-dire à la vérité des textes originaux. Del testo originale. Devant la connaissance que Jérôme avait de la parole de Dieu et devant la clarté de ses idées, le pape Damase lui confie la mission de traduire en latin les 4 évangiles, en étant le plus fidèle possible aux textes originaux. C'est à Rome que Jérôme achèvera la traduction des évangiles et une version des psaumes, traduit depuis le texte grec. Papa Damaso, lui andava molto d'accordo, ma con la morte di Papa Damaso, egli. Il s'entendait très bien avec le pape Damase, mais avec la mort de ce dernier, il décida de quitter Rome. À sa suite, marchaient également quelques femmes qui souhaitaient se consacrer à l'étude de la Bible, à mieux comprendre et à prier, notamment une femme de la noblesse romaine,
nommée Paola, avec sa fille Eustochium et une autre femme, également de la noblesse de Rome, nommée Marcella. Certaines de ces femmes décidèrent de suivre Jérôme. Con lei c'era anche sua figlia, Eustochio, e altre nobili romane come Marcella, e alcune di loro decisero di seguire Girolamo. Après avoir quitté Rome, Jérôme se rend en Terre Sainte et découvre les lieux saints pour mieux comprendre les Écritures. Il décide alors de s'établir à Bethléem. Et ce fut dans cette grotte située dans la basilique de la Nativité, près de l'endroit où Jésus est né, qu'il se consacre à son œuvre de traduction. Dunque Girolamo visse per più di 40 anni a Bethléem. Saint Jérôme a vécu à Bethléem pendant 40 ans et a consacré cette longue période à écrire de nombreux commentaires sur la Bible. Ses lettres sont également très célèbres, et c'est ici qu'il a achevé la traduction depuis l'hébreu de tout l'Ancien Testament. Di tutto l'Antico Testamento dalla lingua ebraica. La grotte est un lieu très visité par les pèlerins du monde entier, tous enchantés devant l'histoire de ce lieu. Je suis très heureuse d'être ici dans la grotte de Saint Jérôme, qui était si intelligent et si sage, au point d'avoir pu traduire la Bible et de répandre la grâce de Dieu en chacun de nous. La Bible est un trésor inouï, et je voudrais la connaître comme lui pour la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, et être vraiment utile au Seigneur. Saint Jérôme est mort le 30 septembre de l'an 420, à plus de 80 ans, et est devenu le patron de ceux qui se consacrent à étudier la Bible. Le saint a laissé un héritage inestimable au christianisme et un exemple d'une passion telle pour la parole de Dieu qu'elle implique d'y consacrer sa vie pour permettre aux autres de la connaître. Une phrase de Saint Jérôme rappelle l'importance de la connaissance des textes sacrés. Celui qui ignore les Écritures ignore la puissance et la sagesse de Dieu, par conséquent, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Sur les hauteurs d'Ein Karim, l'atmosphère de paix et de silence s'est enveloppée de foi et d'amour avec le pèlerinage national du diocèse de Biélorussie. Nous sommes venus en pèlerinage national. C'est notre deuxième pèlerinage, non seulement pour visiter, mais surtout pour faire connaître la Terre Sainte à nos fidèles, les événements de l'Évangile, de l'Ancien Testament, etc. L'histoire de la vie de Jésus. Mais c'est aussi l'occasion de bénir deux panneaux, le Magnificat et le Benedictus. Magnificat and Benedictus. Deux sanctuaires importants, celui de la Visitation et celui de Saint Jean-Baptiste, des lieux qui ont changé l'histoire du salut. Comme l'a souligné dans son interview l'archevêque de Minsk, la Vierge Marie a été exaltée par Dieu pour son humilité, sa foi, et a été protégée par la main de Dieu. Voilà la clé pour comprendre Marie, l'histoire du salut, et pour comprendre tout homme. Car la clé du salut se trouve en chaque homme. Et comme il est arrivé à Zacharie qui fut visité par Dieu, à travers eux, Zacharie, Élisabeth et surtout la Vierge Marie, Dieu visite chaque homme. Les pèlerins, remplis de sentiments et d'émotions, rapporteront tous ces souvenirs dans leur cœur une fois de retour dans leur pays. It is not described by word. It is cry. It's my heart is big. Cela ne peut se décrire avec des mots. J'ai envie de pleurer. Mon cœur est rempli de joie et appartient à Dieu. Je ne peux pas le décrire avec des mots. C'est un sentiment intérieur. Je voudrais partager mes émotions et ce que je ressens, ma foi en Dieu, à ma famille d'abord, puis à mes collègues et à tous les gens que je rencontrerai dans ma vie. And my colleague in my small company. And each other to people which I meet in my life. Après la célébration solennelle, on retentit dans le petit village les prières des pèlerins en procession vers le lieu de naissance du précurseur. Mmh.
La ville palestinienne d'Emmaüs al-Koubaïbé est le lieu d'une histoire importante racontée par l'évangéliste Luc. Selon la tradition suivie par les franciscains, ce serait l'endroit où Jésus apparut à deux disciples après sa résurrection. Siméon et Cléophas, comme beaucoup de ceux qui suivaient Jésus à cette époque, étaient frustrés parce qu'ils attendaient de celui-ci une libération politique pour Israël. Et tandis qu'ils s'entretenaient à ce sujet, Jésus leur apparut et se mit à leur expliquer les Écritures. La mémoire des deux saints a été célébrée par la communauté franciscaine et les chrétiens de Terre Sainte dans cette basilique dédiée à la manifestation de Jésus. La messe a été présidée par le vicaire de la custodie de Terre Sainte, lequel a parlé de l'expérience des disciples de nos jours. Nous aussi, nous avons besoin de conversion. D'une conversion face au péché, à la tristesse, à la désillusion, à la solitude et à la souffrance, pour parvenir à la joie. La joie de Jésus ressuscité, d'une vie renouvelée dans le Christ ressuscité. La mission de cette basilique, dédiée à Saint Siméon et à Saint Cléophas, représente un défi dans la ville d'Emmaüs al-Koubaïbé. L'importance de l'Église dans ce lieu est d'assurer la présence du Christ. C'est la seule église de la ville et, par conséquent, notre présence ici dépend de son maintien. Dans ce village musulman, voici la seule famille chrétienne de la ville. Nous vivons ici et nous sommes heureux d'être ici en tant que famille chrétienne parce que c'est là un lieu saint. Nous sommes avec Jésus et il nous aidera toujours. And Jesus will help us all the time. Une aide qui a été apportée aux disciples quand Jésus leur a été révélé à partir du pain et qu'il a fait d'eux des témoins de la résurrection. En ce lieu, nous apprenons comment la compagnie de Jésus est importante dans nos vies. Pour venir au Christ, nous avons besoin qu'il nous accompagne dans notre vie, tous les jours. We need his companionship every day. Le 26 septembre, un incendie a détruit l'ancienne aile du couvent maronite de Saint-Charbel à Bethléem, causant de graves dommages à la structure du bâtiment. Le bâtiment, qui était en rénovation, a été sérieusement endommagé. Selon les enquêtes préliminaires, comme il a été déclaré ensuite par le chancelier de l'exarque patriarcal maronite de Jérusalem, le diacre Sopri Maroul, ainsi que par la police elle-même, qui a ouvert une enquête à ce sujet, il s'agit d'un incendie criminel. Le couvent de Saint-Charbel à Bethléem est situé dans la banlieue de Wadi Ma'ali, dans un quartier habité par des familles chrétiennes et musulmanes. Ce bâtiment est fait de plusieurs chambres et d'une petite chapelle pour la prière. Le feu a pris dans le sous-sol, puis s'est propagé en d'autres lieux. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.